les gens vont se jeter à l'eau. Quand faut y aller, faut y aller. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas eu le temps de réfléchir sur cette sortie. Il a fallu enchaîner les sauts, les glissades et les passages en spéléo. Par moments, c'était quand même assez impressionnant. Là, dans le passage qu'on va voir, c'est pas moi qui filme puisque c'est la GoPro de mon pote, mais je suis passée par là juste avant. Et du coup, on doit passer sous la roche, dans un passage souterrain, avec la tête la première sous l'eau. Et c'était vraiment le passage le plus impressionnant pour la partie spéléo. Il y a aussi eu un moment où j'ai cru que mes fesses allaient pas passer entre les rochers. Et heureusement, c'est passé parce que ça aurait quand même été la honte de rester coincé entre les rochers et de se noyer pour ça. Ça aurait été un petit peu bête. Du coup, des passages sous les cascades où on est un petit peu assommé. Et là, c'est vraiment le pire passage pour moi. La descente en rappel que j'ai pas réussi à faire parce que j'étais vraiment à bout de force.